Bonjour à vous qui venez seulement de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Bienvenue dans ce bulletin d'information. En ouverture, quelques brèves à l'étranger. En Libye, d'abord, le nouveau gouvernement rejeté, le Premier ministre forcé à la démission. Et au Venezuela, Hugo Chavez a été réélu pour la quatrième fois à la tête du Venezuela avec 54% de voix lors de la présidentielle au Venezuela. Son adversaire a reconnu sa défaite, proclamation officielle des résultats sur la télévision nationale vénézuélienne. Sur le territoire national, en images et en rappel, les manuels scolaires et des produits de première nécessité au bénéfice des veuves et orphelins des forces de défense. Un don donc qui a été remis par les épouses des personnels des forces de défense avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Le lieu, le camp Baraka de Libreville, en présence de Guy Cédric Ondomeye et Jean-Pierre Moussouami. Considéré comme un problème de portée mondiale, s'inscrivant dans le programme militaire de lutte contre le sida au Gabon, la problématique de la veuve et de l'orphelin devient plus que préoccupante. C'est dans ce sens que la CPFOR, qui est une cellule genre du programme militaire de lutte contre le sida, s'est résolument engagée depuis quelques années à assister la veuve et l'orphelin, poursuivant ainsi l'idéal du bien-être social prôné par la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Il n'est donc pas besoin de rappeler ici que c'est dans ce contexte que s'inscrit la présente activité. Dans cet élan de solidarité et de partage, les épouses des personnels des forces de défense ont aussi procédé à la distribution des fournitures scolaires et des produits de première nécessité aux veuves et orphelins. Ce geste permettra aux élèves orphelins de bien amorcer la rentrée scolaire et aux veuves de connaître les rudiments pour avoir un meilleur état de santé. Tout est bien qui finit bien. Le groupe scolaire EPI de Libreville a fêté son 1000e bachelier la semaine dernière. Une cérémonie qui a réuni des représentants de plusieurs cuvées de bacheliers. Et la cérémonie présidée par le président fondateur de cet établissement. Témoin de l'événement, Patrick Nzorbekal et Jean de Dieu Mambundu de notre rédaction. École professionnelle des métiers de l'informatique à sa création en 1987, l'EPI, basé à Awenje, qui s'est mué en groupe scolaire EPI, a franchi la barre des 1122 bacheliers lors de la récente session d'examen du baccalauréat de juin-juillet 2012. Venu témoigner de leur choix pour cet établissement et pour ses performances, représentant des bacheliers et des parents de bacheliers rendront un hommage différent à l'artisan et à la vision du fondateur de cet établissement. En effet, nous tenons d'abord à saluer la clairvoyance d'un homme, M. Paul-Étienne Mounoui, qui a su prendre le risque il y a plus d'une vingtaine d'années en créant EPI, devenu quelques années plus tard, le groupe scolaire EPI. Poursuit, en plus de 20 ans de présence sur notre stade scolaire, l'EPI, établissement qui témoigne chaque jour de l'efficacité de notre système privé d'enseignement, a apporté de la valeur ajoutée, illustrée par ces quelques statistiques. En effet, en 2010, nous avons fait 611 bacheliers. En 2011, ils étaient 940 admis. Aujourd'hui, vous êtes 1122. Brillant lauréat avec des mentions très honorables. Cette année, tous les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Alors, je vous dis merci. Donner la chance aux élèves en déperdition scolaire, leur donner des outils et des moyens de reconversion, se poser en leader de la formation à l'emploi, c'est désormais l'engagement de la direction du groupe EPI et de son fondateur, pour qui les prochaines années doivent être utilisées à bon escient pour peaufiner et affiner le label d'excellence, de qualité et de performance que s'est forgé leur établissement.
Et puis la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants COGACI qui réagit ici suite au communiqué lu sur nos antennes, le désignant comme ayant reconnu les actitudes de la Société gabonaise d'assistance publique, SGAP, a procédé aux différentes tâches d'hygiène auprès des opérateurs économiques et commerçants du Gabon. Nous écoutons ici son porte-parole. Diffusé dans notre première chaîne de radio et de télévision gabonaise, faisant état d'un contrat de partenariat signé entre la COGACIC, Confédération gabonaise des syndicats des commerçants, et la SGAP, le bureau directeur de la COGACIC décline toutes ses responsabilités au sujet de ce partenariat. Certains membres de la COGACIC ne peuvent engager et signer les contrats avec d'autres entités sans l'accord du bureau directeur. En outre, la mairie, le ministère de la Santé, de l'Agriculture, le service de la concurrence sont habilités à contrôler les opérateurs économiques sur les questions d'hygiène et d'assainissement et non une société privée. Pendant que le président de la République, chef de l'État, et le premier ministre, chef du gouvernement, font tout pour freiner la parafiscalité illégale dans notre pays, certains de nos compatriotes trouvent mieux à arnaquer les opérateurs économiques et les commerçants, mettant ainsi en difficulté la politique de l'émergence. Nous demandons donc aux opérateurs économiques de ne pas céder à cette mascarade qui vise à escroquer les commerçants. Par ailleurs, nous demandons respectueusement à nos frères, les membres concernés, de se rapprocher du bureau de la Confédération gabonaise des syndicats des commerçants. Je vous remercie. Voilà, vous avez tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Naturellement, vous restez avec nous sur Gabon Télévision. L'info continue.